Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole. À l'heure de la rubrique Le Point, ce matin, pour vous présenter cette émission, Georges Allen. Et avec nous en studio, le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Stanley Gaston. Bonjour. Bonjour, Monsieur Allen. Et je profite également de cette occasion pour saluer tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Maître Stanley Gaston, je viens de le dire, vous êtes le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats, élu vendredi dernier. Quel est l'état d'esprit? Tout le monde aimerait bien savoir dans quel état d'esprit vous êtes en tant que nouveau bâtonnier. Bon, moi, je me trouve dans un état d'esprit assez positif. Cela fait déjà quelques temps depuis que je me prépare à assumer cette nouvelle fonction. Maintenant, donc, j'attends d'être investi concrètement. Et de concert avec mon équipe, nous allons mettre des chantiers en œuvre afin qu'on puisse améliorer l'image de la profession et contribuer également à ce que la justice fonctionne autrement. Est-ce qu'on peut parler de l'accomplissement d'un rêve? Votre élection en tant que bâtonnier? Bon, disons que mon élection en tant que bâtonnier, c'est une étape. Okay. C'est une étape dans un projet global. Donc moi, c'est ainsi que je le dis. Mais pour vous donner raison, il faut toujours avoir des rêves dans la vie. Parce que si on n'a pas de rêve, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Il faut toujours avoir des choses, avoir des objectifs, avoir des rêves, faire des projections, et puis cela va vous aider à aller de l'avant. Et l'investiture, votre investiture, c'est pour quand? Bon, l'investiture aura lieu le lundi 5 à la Cour de cassation lors de la traditionnelle cérémonie de la rentrée judiciaire. Le bâtonnat a environ 150 ans, le bâtonnat haïtien? Oui, bon, disons que... En 2009, nous avons célébré les 150 ans du bâtonnat. Donc, et grosso modo, ça doit faire à peu près 156, 157 ans. Faites-nous l'historique du bâtonnat haïtien, un peu de mots. Bon, et disons que, pour être bref, comme vous l'avez dit, donc le bâtonnat a vu le jour avec le ministre de la Justice, Élie Dubois. De la date de la création du barreau jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu à peu près 42 bâtonniers. Bon, disons que au niveau du barreau, il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments de crise. De la même manière, il y a eu des moments assez fastes. Et là-dessus, je mets l'accent sur la période lorsque Steinhoff Vincent était bâtonnier. Quelques temps après, il allait devenir président de la République. Donc, et à l'époque, Steinhoff Vincent avait mis en relief trois hommes de l'époque. On les appelait des jubilaires. Il s'agissait de Luxembourg Couvin, Auguste Bonamy et Edmond de l'Espinasse. Donc c'est vraiment une période phare dans l'histoire du barreau. Et en décembre 2012, nous avions eu une autre cérémonie où, et à l'occasion de cette cérémonie, pratiquement 16 avocats ont été... À ces 16 avocats, on avait décerné le grade de jubilé. Aidez-nous à appréhender, sinon comprendre la tâche qui vous attend en nous présentant le fonctionnement, la mission du bâtonnat. Ok, d'accord. Okay. Donc là, nous allons le faire en deux étapes. Okay. Premièrement, nous allons voir le rôle du barreau. Et après, nous allons voir le rôle du conseil et même du bâtonnier. Prenons le rôle du barreau. Le barreau, c'est l'instance, le barreau, c'est la corporation des avocats. Donc, l'ensemble des avocats de la juridiction de Port-au-Prince sont membres du barreau de Port-au-Prince. Et la tâche du barreau, le barreau a pour mission de réguler la profession. Là, il s'agit d'une délégation des pouvoirs publics. Donc, on délègue cette fonction au barreau. Maintenant, la tâche du barreau, c'est de réguler la profession. Le barreau est... Alors, qui est-ce? C'est le ministère de la Justice? Non, l'État. 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 Le ministère de la Justice? Non, pas nécessairement. Disons que c'est l'État. Parce que, comme je vous ai dit, il s'agit là d'une délégation de puissance publique. OK. Donc là, c'est l'État, c'est pas... Parce que le ministère de la Justice intervient au niveau de la mise en œuvre du programme du gouvernement en matière de justice. OK. Donc, le barreau a pour attribuer... Bon, le barreau regroupe l'ensemble des avocats, comme j'ai dit précédemment. Et le barreau est là, c'est pour promouvoir
l'exercice de la profession, mais également c'est pour contribuer à la protection du public. Donc fondamentalement, si on veut circonscrire le rôle du barreau, moi je ferai ce binôme. Je dis d'abord, c'est gérer, contrôler la profession, mais versus la protection du public. Parce que tout ce que fait la corporation n'a de sens que c'est parce qu'elle tend vers la protection du public. Mm-hmm. Ça, c'est le barreau. Maintenant, voyons la fonction du conseil de l'ordre et du bâtonnier. Donc, le conseil de l'ordre est là pour mettre en œuvre tout un ensemble de programmes, tout un ensemble d'actions, non seulement pour faire la promotion de la profession, sécuriser la profession d'avocat, veiller et faire en sorte que la profession ne soit pas envahie par des usurpateurs, parce que comme je vous ai dit, il s'agit en filigrane de la protection du public. Maintenant, si on veut protéger le public, il faut quand même qu'il y ait un contrôle assez strict, parce que l'avocat, comme disait Maître Goug tout récemment, il est partout. Il est là avant la naissance, il est là après la naissance. Maintenant, si l'avocat est partout, l'avocat, il joue un rôle important dans, non seulement dans la société, mais également dans la vie de chaque citoyen appelé à devenir justiciable ou appelé à solliciter les services de l'avocat. Donc, pour ce faire, le Conseil de l'Ordre doit mettre en œuvre des programmes, des actions de contrôle, de sécurisation de la profession. Au titre des actions qui sont mises en œuvre, le conseil doit veiller à la formation des avocats. Donc, par exemple, au barreau de Port-au-Prince, nous avons un programme de formation initiale pour ceux qui sont licenciés en droit et qui veulent intégrer le barreau. Et nous avons un programme de formation continue pour ceux qui sont déjà avocats. Mais puisque le droit, c'est quand même assez dynamique, il y a quand même toute une évolution qui se fait au niveau du droit. Maintenant, on doit mettre la formation continue à la portée des avocats. Il y a également la mission de contrôle, comme je vous ai dit. Donc, en quelque sorte, là, nous faisons la police de la profession, puisque quand même, la profession d'avocat est bâtie autour de valeurs, autour de règles d'éthique et de déontologie. Donc, il arrive des fois que des avocats se trouvent en contravention à ces principes. Donc, à ce moment, faut-il bien que le conseil intervienne pour rappeler, sanctionner, réprimander. Maintenant, la fonction du bâtonnier. Maintenant, que fait le bâtonnier dans tout ça? Donc, le bâtonnier, il est un avocat, comme tous les avocats. Parce qu'au cours de cette semaine, il y a une question qui ne cesse de revenir. Les gens me demandent, mais Maître Garçon, maintenant que vous êtes bâtonnier, est-ce que vous essayez d'être avocat? Je suis bâtonnier, j'ai été élu comme bâtonnier, c'est parce que précisément, je suis avocat. Et comme on le dit dans notre vocabulaire, je suis avocat militant. C'est-à-dire, je plaide, je postule, je prends la parole par devant les tribunaux, pour les clients, pour les justiciables. Donc, en tant que bâtonnier, je continue à exercer ma profession d'avocat. Et en tant que bâtonnier, spécifiquement, j'ai une fonction de représentation. Tout ce qui touche à l'aspect public de la profession, donc le bâtonnier intervient. Donc, lors de la cérémonie officielle, par exemple, le 5, vous allez voir, à l'occasion de la traditionnelle rentrée judiciaire, donc le bâtonnier, il aura à se prononcer sur l'état de la nation. Et à l'occasion, il fera un état des lieux de la justice et des grandes questions. Et des questions d'intérêt national. Maintenant, quand le barreau est appelé en justice, c'est le bâtonnier. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui concerne une fonction de représentation publique, c'est le bâtonnier qui l'assume. Mmh. Quel rapport qu'il y a entre le barreau et le ministère de la Justice, le bâtonnat et le CSPJ? Ok, d'accord. Donc, okay. Prenons chaque entité séparément. Mmh. Barreau, ministère de la Justice. Comme j'ai dit naguère, comme j'ai précisé antérieurement, le ministère de la Justice, c'est une instance, c'est une entité de l'exécutif qui s'occupe des questions se rapportant à la justice. Mmh. Il faut bien comprendre, le ministère de la Justice ne fait pas partie du pouvoir judiciaire, mais plutôt le ministère de la Justice fait le pont entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Disons que le barreau se rattache au pouvoir judiciaire. Donc, sous cet angle-là, il y a un rapport nécessaire entre le barreau et le ministère de la Justice. Il y a la loi, par exemple, nous fait obligation, au début de l'année judiciaire, de communiquer la liste des avocats militants, c'est-à-dire des avocats qui pratiquent, de la juridiction au ministère de la Justice. Donc, nous avons quand même des rapports. Et, par exemple, en matière d'assistance légale, vous n'êtes pas sans savoir que très souvent, il y a des projets qui sont animés conjointement par le ministère de la Justice et le barreau. Donc, il y a nécessairement des rapports entre les deux. Rapport entre le barreau et le conseil supérieur judiciaire, qu'on appelle CSPJ. Ce rapport, on doit pouvoir l'apprécier à deux niveaux. À un premier niveau, c'est la Fédération des barreaux.
Parce que depuis la loi de 2007 créant le Conseil du pouvoir judiciaire, l'Assemblée des bâtonniers délègue un bâtonnier qui va siéger au CSPJ. Déjà, là, il y a un premier rapport à travers la Fédération des barreaux. Et l'autre rapport qu'il y a, c'est, disons que c'est un rapport, d'abord, le barreau exerce un regard sur le fonctionnement du CSPJ. Mmh. Et des fois, quand les intérêts de la profession l'exigent, le barreau est appelé à prendre contact, à rentrer en relation avec le CSPJ, soit pour dénoncer des faits, soit pour donner des conseils, faire des recommandations, ou des fois, quand le barreau est sollicité, quand l'avis du barreau est sollicité par le CSPJ, donc à ce moment, le barreau donne des conseils, fait des recommandations, etc. Mmh. Et depuis, pas la création, mais plutôt l'établissement du CSPJ, c'est en 2012, si je ne m'abuse, quelle a été la nature du rapport entre le barreau et le CSPJ? C'est un très bon rapport que vous avez? Bon, et on ferait mieux d'apprécier ce rapport entre le CSPJ et la Fédération des barreaux. Mmh. Parce que, comme je vous ai dit, au niveau du CSPJ, il y a un bâtonnier qui siège et ce bâtonnier a été élu par la Fédération des barreaux. Et la Fédération des barreaux regroupe l'ensemble des barreaux de la République. Donc, disons, le rapport qu'il y a, c'est plutôt un rapport par ricochet. Il n'y a pas un rapport direct entre le barreau et le CSPJ. C'est plutôt un rapport qui se fait, qui se matérialise, qui se manifeste à travers la Fédération des barreaux. Comme on le sait très bien, le CSPJ a vu le jour. Et d'après les déclarations du président, ça devait être l'an 1 de la justice. Mmh. Mais à l'époque, on se rappelle l'ensemble des scandales qui entouraient le fonctionnement du CSPJ. Donc ça a été un rapport assez difficile. Parce qu'à un certain moment, je parle de la Fédération des barreaux, on avait dû faire appel, on avait dû rappeler le bâtonnier Néhémie, qui était bâtonnier des Gonaïves à l'époque, et qui nous représentait au CSPJ. Mmh. Donc ça a été, pendant un temps, ça a été un rapport assez difficile, un rapport en dents de scie. Mais depuis que le juge Cantave, qui est à la Cour de cassation, depuis qu'il est devenu président du CSPJ, donc ce sont des rapports plus ou moins normaux. Mmh. Je dis plus ou moins, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faudra toujours améliorer, des rapports plus ou moins normaux. Et vous allez les améliorer, vous vous assignez cette tâche. Bon, disons que je suis secrétaire général de la Fédération des barreaux, donc en tant que secrétaire général de la Fédération des barreaux, donc j'ai certaines attributions au niveau de la Fédération, et il y a Maître Carlos Circule, qui est le bâtonnier sortant de Port-au-Prince, qui assume la présidence jusqu'au mois de décembre. Donc nous allons continuer dans la même perspective, dans la même veine, à faire le travail qu'on a toujours fait, c'est-à-dire un travail de contrôle, puisque la présence que nous avons au CSPJ, ce n'est pas une présence qui est destinée à donner quorum au CSPJ, mais c'est une présence qui est là afin d'orienter les choses dans une certaine direction. Mmh. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de l'émission. Vous avez présenté au public le fonctionnement du barreau, le fonctionnement du bâtonnat, sa mission. Et à la deuxième partie, à la seconde partie de l'émission, Maître Stanley Gaston, nous allons voir quel regard vous portez sur le système judiciaire haïtien pendant le quinquennat de Michel Martelly. Et bien évidemment, nous allons parler des élections parce que le bâtonnat, est en quelque sorte partie prenante des élections via le BCEN. Donc, disons plutôt, si vous parlez du bâtonnat, bon, disons le barreau, pas le bâtonnat. Le barreau. Si vous parlez du barreau, c'est plutôt au niveau des BCEC, mm-hmm. des bureaux du contentieux électoral communal, et au niveau des BCED, bureaux du contentieux électoral départemental. Mais pour ce qui s'agit des BCEN, du BCEN, c'est plutôt la Fédération des barreaux. Maintenant, au retour, j'apporterai beaucoup plus de précisions. Voilà. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Stanley Gaston. Restez avec nous, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, vous le savez, Maître Stanley Gaston, nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats. Maître Gaston, avant la pause, on disait qu'on allait parler de votre vue, votre regard sur le système judiciaire haïtien pendant ces 5 dernières années. Quel regard portez-vous sur le système? D'accord. Donc, et
puisque là, vous le circonscrivez dans le temps. Dans le temps, ok, d'abord. D'abord, il faut partir d'un constat. Les problèmes de la justice ne sont pas nés avec le système, avec le gouvernement Martelly. Ce sont des problèmes qui précèdent le gouvernement. Le constat que l'on peut faire, durant le mandat de M. Martelly, il y a eu des innovations. Par exemple, on a eu l'installation du Conseil supérieur judiciaire. Bon. On a eu la construction de la Cour de cassation, bien qu'on aurait aimé que la construction soit faite avec les financements du Trésor public. Parce que vous comprenez bien, la justice, c'est quand même, ça relève quand même du pouvoir régalien de l'État. Taïwan a investi 15 millions pour la construction du bâtiment. On a eu les fonds de Petro-Caribé, on a eu d'autres fonds. On aurait pu s'entendre avec Taïwan pour réorienter son investissement dans un autre secteur, mais faire en sorte que la construction, qu'on ait pu avoir la construction avec les financements du Trésor public, mais cela n'a pas été fait. Bon. Mais il n'empêche, le bâtiment est là, ça constitue quand même une innovation. À côté de ces innovations, globalement, pour moi, nous n'avons pas fait d'énormes progrès en matière de justice, parce que les problèmes demeurent. On a le sentiment qu'il y a une détérioration, par exemple, en ce qui a trait au pan de compétences. Maintenant, prenons l'aspect compétences dans le système. On a eu des nominations à cascade, mais ces nominations ne suivaient pas toujours les prescrits de la loi. Et pour ceux qui sont familiers du palais de justice, du parquet, ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, mais aussi à travers le pays, le constat est général. Donc, pour les citoyens, la justice, c'est une institution à fuir. C'est le constat global. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Parce que quand même, quand vous prenez le droit c'est une science. Et en tant que science, le droit répond à certaines caractéristiques. Si vous me confiez un dossier, les règles du droit sont là, je peux déjà prévoir quelles sont nos chances de succès et je peux supputer qu'est-ce qui va se passer avec votre dossier. Mais si vous me confirmez un dossier maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est comme une loterie. Je ne sais pas quand est-ce que je peux dire à un client qu'il peut aller de l'avant, qu'il peut s'engager dans un procès, et quand est-ce que je dois dire à un client ce n'est pas la peine de faire le procès, il faut plutôt aller à la conciliation. Ça franchement, on ne sait pas. Et ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, c'est un constat général à travers le pays. Donc, pour me reprendre, globalement, ça ne marche pas. Nous avons des problèmes à tous les niveaux. Les problèmes structurels n'ont pas été résolus. Et à ces problèmes structurels, on peut ajouter le problème que je viens de relater au niveau de la nomination des juges. Par exemple, si vous prenez la chose globalement, au niveau de l'impunité. Maintenant, regarde ce qui se passe. Le ministre Casimir a lancé une opération coup de poing. C'est contre la détention préventive. Contre la détention préventive. Et lui, dans sa philosophie, il pense avec cette opération pouvoir lutter contre la détention préventive. Mais la chose est présentée. La chose est faite de telle manière qu'on a comme l'impression que l'on se trouve dans une opération arithmétique. Combien de personnes sont en prison aujourd'hui, combien de personnes on libère, mais ça ne rentre pas dans une vision. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un, quand quelqu'un est en prison, ça répond à des préoccupations. Ça répond à des préoccupations de justice. Ça répond à des préoccupations de reclassement social. Vous jetez la personne dans un cachot, il n'y a aucun programme de formation, aucun programme de reclassement social. Maintenant que vous constatez qu'il y a un nombre pléthorique de personnes dans des espaces assez exigus, maintenant vous faites l'opération coup de poing. Maintenant, on se demande, mais quels sont les résultats attendus? Cette manière de faire, est-ce que ça va contribuer à pacifier la société? Parce que l'individu qui était en prison, probablement il était dénoncé comme bourreau. Il y a une victime. Maintenant, quand à l'occasion de l'opération coup de poing, vous libérez la personne, est-ce que la victime est en sécurité pour autant? Parce que cette personne n'a pas été resocialisée. Cette personne n'a pas été portée à s'amender.
Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, les préoccupations fondamentales en matière de justice, cela demeure. Donc, j'ai pris cet exemple, c'est pour vous expliquer que globalement, ça ne marche pas. Mmh. On peut également prendre un autre exemple. Regarde, on nous a présenté ce projet de code pénal qui est en discussion depuis plus de 2 ans avec une commission de réforme. Mais là encore, ça ne passe pas. Parce qu'avec un code pénal, même si vous avez un code pénal, même si on n'est pas revenu à recenser, à incriminer l'ensemble des comportements qui posent problème à la société. Mais pensez-vous véritablement que cela va aider à résoudre le problème de l'impunité? Ça, moi, je ne sais pas. Mm-hmm. Alors, pendant que vous y êtes, parlant du code pénal, un avocat, je ne vais pas citer son nom, estimait que pour le code pénal, pour la réforme du code pénal, il ne faudrait pas avoir une commission présidentielle, mais plutôt une commission nationale. Est-ce que c'est votre avis? Bon, ça c'est une question de choix. On aurait pu avoir une commission présidentielle, mais qui reflète l'ensemble des tendances, l'ensemble des secteurs, de sorte que lorsque le code va être proposé au Parlement, déjà les secteurs s'étant appropriés du code, on se donne la chance que le Parlement également va comprendre les enjeux et va pouvoir voter le code. Maintenant, c'est un travail préalable qu'il fallait faire. Maintenant, on n'a pas fait ce travail, on s'est lancé dans une entreprise de monter une commission qui travaille sur le code pénal. Après, il faudra faire un travail de lobbying auprès des parlementaires, puisque les secteurs de la société n'ont pas été associés au projet. Maintenant, comment faire pour porter les parlementaires à s'approprier du projet. Donc, parce que vous voyez, les partis politiques, personne n'était impliqué dans le projet. Or, moi je ne vois pas la chose au niveau de la réforme du code pénal. Moi, je vois plutôt la chose au niveau de la réforme de la justice pénale. Et quand je vous dis justice pénale, moi je vois le grand chapeau comprenant la politique criminelle, comprenant la politique d'action publique du gouvernement. Parce que le gouvernement, que veut le gouvernement en matière de justice? Quelles sont nos préoccupations? Qu'est-ce qui nuit à la société? Il y a beaucoup d'infractions contre l'État. Mm-hmm. Regarde ce qui se passe en matière de corruption. On dilapide, on gaspille les biens de l'État. Au niveau du code pénal, est-ce qu'on a pris en compte cet aspect? Quelles réponses concrètement? Quelles sont les réponses qui ont été apportées? Donc, c'est tout ça. On aurait dû inscrire tout cela dans une perspective, mais ceci n'a pas été fait. Mais comme je vous ai dit, un code pénal ne permettra pas de résoudre le problème de l'impunité. Il faut une réforme en profondeur du système pénal, en passant par les rapports du ministère de la Justice, ministère de la Justice, État, voir comment on fait la distribution des pouvoirs au niveau du système judiciaire. Est-il normal que le juge d'instruction soit nommé par le président? Regarde le problème que nous avons au niveau des juges d'instruction. Mm-hmm. Par exemple, à Port-au-Prince, sur 24 juges d'instruction, il y a seulement 12 mandats qui ont été renouvelés. Oui. C'est un constat général à travers le pays. Maintenant, c'est un ensemble de préoccupations qui auraient dû être prises en compte et pouvoir véritablement, par rapport aux orientations, par rapport à une vision et par rapport aux objectifs maintenant, à ce moment, on aurait su dans quelle direction aller. Membre de la BASOJ, homme de loi d'expérience que vous êtes, est-ce que vraiment la justice est sous, ou encore le système judiciaire est sous la coupe réglée de l'exécutif? Est-ce que c'est une accusation parmi d'autres, une parole parmi d'autres, comme on accuse souvent C'est vrai en partie. Mais le système n'est pas seulement sur la coupe réglée de l'exécutif, c'est sur la coupe réglée de beaucoup d'autres secteurs. Puisque le système ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pas un système qui fonctionne. C'est un système de népotisme. Il y a beaucoup de trafic d'influence, beaucoup de népotisme, beaucoup de trafic d'influence, beaucoup de circulation d'argent qui se fait dans le système. Maintenant, c'est pour cela que je vous ai dit que c'est un système qui est sous l'influence de beaucoup de secteurs, qui est sous l'influence de beaucoup de choses. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement l'exécutif. Mm-hmm. Donc, probablement, l'exécutif est beaucoup plus prégnant au niveau de cette dépendance de la justice. De la justice, mais il y a également
d'autres secteurs qui profitent de tout cela. On comprend qu'il y a une interdépendance entre les trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et puis le parlement ou le législatif. Maintenant, que faire pour qu'en Haïti, nous ayons vraiment une justice indépendante? Bon, et il y a d'abord une réponse assez simple. C'est d'abord l'application des principes. C'est la réponse la plus simple. Application des principes. Maintenant, voyons la chose de manière beaucoup plus complexe. Il faut également travailler sur les structures. On applique les principes, on travaille sur les structures. Parce que pourquoi moi je viens avec ce couple, je viens avec ce binôme. Des fois, pour moi, c'est un faux débat. On fait un faux débat entre personnes et structures. Des fois, on se rend compte que c'est un problème de personnes. C'est un problème de structure. Maintenant, pour ce qui a trait et de la personne et de la structure, la loi y a songé. Il y a quand même des mécanismes qui tendent à réguler le comportement des gens et qui donnent une certaine orientation aux structures. La préoccupation actuelle, il faut renforcer les structures naturellement. Je ne suis pas en train de dire que nos lois sont parfaites, que nos lois sont bonnes. Il y a des lois qui méritent d'être reprises, il y a des lois qui méritent d'être abrogées pour plusieurs raisons. Soit pour nous mettre en diapason avec ce qui se fait à l'international, soit pour répondre à nos engagements au niveau des instruments internationaux. Donc il y a quand même des réformes qui sont nécessaires. Mais si on peut agir sur ces deux facteurs simultanément, et les structures et les normes, on peut avoir autre chose. Mais l'important dans toute structure, il faut les mécanismes de contrôle. Et ces mécanismes de contrôle ne doivent pas demeurer dans les tiroirs. Ça ne doit pas faire uniquement l'objet de simples prescriptions. C'est-à-dire, c'est prévu dans un texte. Oui, c'est prévu dans un texte et puis on en reste là. Non, il faut les mettre en œuvre. Il faut le contrôle, il faut les sanctions. Maintenant, voyons avec les élections pour finir. Le regard du barreau par rapport aux élections. Tout d'abord, il y a des observateurs politiques et même des gens de la société civile qui pensent que le CEP concentre en son sein beaucoup trop de pouvoir. C'est-à-dire, la décision du CEP est irrévocable, pas moyen pour un candidat, par exemple, qui se sent victime d'une décision quelconque, de saisir la justice. Quel regard vous portez sur les élections globalement à ce niveau? D'abord, il faut bien comprendre les paramètres. Les pouvoirs du CEP sont définis par la Constitution et par la loi. Si au niveau des appréciations, on se rend compte que le CEP a trop de pouvoir, il faudra à ce moment penser à amender la Constitution et à abroger, à changer d'autres lois. Maintenant, nous en sommes là. Nous en sommes là et rester à épiloguer davantage, on ne sortira pas de l'auberge, puisque c'est quand même un problème de normes, c'est quand même un problème normatif. Mais au niveau de la pratique, voyons comment cela se passe. Et moi, ce que je dis à beaucoup de gens, il faut avoir le sens de la réalité. Nous sommes dans un processus électoral. C'est un processus important puisque l'avenir du pays, la stabilité, l'avenir des institutions dépend de ce processus. Suivant les discours véhiculés, il y a des personnes qui sont pro-élection, il y a des personnes qui sont contre-élection. Mais concrètement, comment cela se présente? Mais moi, quand j'envisage le panorama politique et quand j'analyse également l'ensemble des interventions, que ce soit de la communauté internationale, avec le Club de Madrid, l'OEA, et les ambassades qui sont ici en Haïti, quand je vois l'action des partis politiques, j'ai le sentiment, à moins de me tromper grossièrement, j'ai le sentiment que le processus continue à avancer. Là, c'est mon sentiment. Donc, si fort de ce constat, que faire pour sauver le processus? C'est évident qu'au niveau du CEP, à un certain moment, il y a eu certains égarements qui émoussent un peu la confiance qu'on doit avoir dans le système. Donc, le CEP doit apporter certains correctifs, mais le CEP aussi mérite d'être encadré. Le CEP doit être encadré par les partis politiques qui sont véritablement les protagonistes, les partis politiques, les candidats qui sont véritablement les protagonistes en matière électorale. Regarde ce qui s'est passé tout récemment. On a eu des décisions au niveau des BCED et des BCEN. Ce sont des décisions à problème.
Parce que, suivant la Constitution, pour être élu au premier tour, puisque nous sommes dans un scrutin majoritaire uninominal à deux tours, c'est la question de la majorité absolue. Mm-hmm. Donc, avec la Constitution, nous avons une première règle de majorité absolue à 50 plus 1, et une autre règle, 25%. Mm-hmm. Mais comme je vous ai dit, puisque nous sommes dans un système majoritaire, un système de suffrage majoritaire uninominal à deux tours, il faut quand même dégager le pourcentage de la masse des votants. Il y a un tribunal électoral, le BCED, qui a rendu une décision. Et suivant cette décision, on a fait de l'élection législative un scrutin à majorité relative, puisqu'on a pris la différence entre deux candidats pour déclarer que celui qui est arrivé en premier remporte les élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après la publication des résultats, on a vu bon nombre de candidats monter au créneau pour exiger également l'application de la règle en leur faveur. Mais là, c'est quand même un véritable dilemme. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais là, je mets en évidence le problème. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même certaines incohérences au niveau du processus qui mérite d'être rectifié, qui mérite d'être corrigé. Mmh, mmh. Alors, parlant de correction, quel point dans le décret électoral, si vous, toutefois vous avez une certaine connaissance du décret, qui mérite d'être amendé, par exemple? Bon, il y a beaucoup de points qui méritent d'être amendés au niveau du décret. Mais là, je pointe du doigt au niveau du décret une règle fondamentale qui mérite d'être explicitée. Mm-hmm. La règle du 25%, surtout pour les élections sénatoriales. Qu'est-ce qui arrive? Nous avons eu un amendement constitutionnel à la va-vite. Puisque de nombreux experts ont eu à l'affirmer, il fallait quand même un argumentaire pour modifier, pour changer chaque article de la Constitution. L'argumentaire, on ne l'a pas. Maintenant, comment interpréter une norme constitutionnelle d'essence d'ordre public lorsqu'on n'a pas l'argumentaire? Parce que quand vous interprétez une norme d'ordre public, il faut se référer à l'esprit du législateur. Au moment de légiférer, qu'est-ce qu'on avait en tête? Qu'est-ce qu'on voulait réguler? Qu'est-ce qu'on voulait réglementer? Donc, il faut avoir ça en perspective pour interpréter la loi. Mais comme on a vu comment cela a été fait, on n'a pas ça. La règle, suivant la Constitution, on doit avoir les élections par siège. C'est-à-dire, si vous avez trois sénateurs au Parlement, maintenant, il faut les renouveler par siège. C'est-à-dire, on doit avoir les élections tous les deux ans pour les sénateurs. Mais il se trouve que, par retard accumulé, nous avons des élections pour deux sénateurs en même temps. À ce moment, la règle pose problème. Mm-hmm. La règle constitutionnelle pose problème. Face à ce constat, il faut quand même, au niveau du décret électoral, qu'on puisse apporter certaines précisions en respectant l'esprit et la lettre de la Constitution. Bon, il y a également autre chose qu'il faudra améliorer, mais à mon avis, ce n'est pas aussi fondamental que cette règle du pourcentage. Mm-hmm. Une dernière question, toujours en ce qui concerne les élections. Je ne vais pas me poser en juge pour dire que c'est un cas perdu, le cas de Jackie Lumarque, par exemple. Monsieur Jackie Lumarque a bénéficié d'une décision de la part de la Cour supérieure des comptes disant qu'il n'a pas été comptable de deniers publics, alors qu'on voit que le CEP reste sur sa position de l'écarter. Vous-même, comment vous comprenez le dossier de Jackie Lumarque, d'autant que ce dernier avait tenté d'autres recours parce qu'il est un administré? Bien. Bon, en tant que journaliste, je le suppose, je le présume, donc vous analysez de manière fine l'actualité politique et les déclarations faites par des diplomates. Je ne sais pas si vous rappelez de l'intervention de... Comment il s'appelle? L'expert Gustavo Gayon. Okay. Que vous a dit l'expert Gustavo Gayon? Là, il y a deux phrases qui ont retenu mon attention. Donc,
il vous a dit que le CEP doit communiquer l'ensemble des informations concernant ce dossier. Donc, diplomatiquement, l'espoir Garoun vous dit que le CEP a un argumentaire. Le CEP doit rendre public l'argumentaire. Et je pense qu'au niveau du dossier Jacky Lumoc, c'est ce qui manque. Il y a des informations qui ne sont pas encore divulguées, qui ne sont pas encore vulgarisées. Maintenant, de la part de qui ? Du CEP. Du CEP. Maintenant, là, moi, j'encourage, j'exhorte le CEP à rendre public l'ensemble de ces informations. Et à partir de ce moment, tout un chacun, vous-même, journaliste, moi, en tant qu'analyste, donc on pourra épiloguer, on pourra dialoguer, débattre de la question et voir véritablement où se situe la vérité. Mais comme je vous ai dit, en faisant une lecture assez intelligente de la déclaration de ce diplomate, je dis qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été précises. Il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Voilà. C'est le maître mot. Vous avez trouvé le mot truculent. Voilà. Maître Stanley Gaston, merci d'avoir été avec nous. Et votre investiture en tant que bâtonnier, c'est le 5 octobre. C'est le 5 octobre. Merci et bonne chance. OK. Bon succès. Je vous remercie. Non, mais dans pareille entreprise, c'est du courage qu'il me faut. Ah, du courage. Du courage. Voilà. Courage et détermination. Oui. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Stanley Gaston, avec qui on a fait le point sur des sujets assez intéressants. Merci. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.